On se retrouve pour une petite vidéo afin de vous présenter quelques livres qui ont traité de la sirah, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que souvent, les lecteurs se posent une question légitime, à savoir par quel livre commencer? Comment étudier la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam? Et du fait des nombreux ouvrages qui ont été écrits, on est des fois un peu perdu. Donc je vais tenter de vous en présenter certains parmi eux, pour que vous puissiez mieux savoir vers lequel vous orienter. Donc je vais commencer par le premier, qui me semble le plus facile à lire, le plus abordable pour commencer. C'est celui qui a été écrit par Abul Hassan al-Nadwi. Donc Abul Hassan al-Nadwi, qui est un grand savant d'origine pakistanaise, qui a fait une biographie du messager d'Allah, qui a l'avantage d'être très courte, d'aller directement à l'essentiel, qui est écrite un peu comme un roman, donc qui se lit très facilement, et qui nous permet donc dans un premier temps de connaître tous les événements les plus importants de la vie du messager d'Allah, sans rentrer dans des détails des fois un peu compliqués, et surtout qui est très très agréable à lire et très facile. Ensuite, dans le même style, il y a celle qui a été écrite par Étienne Dinet. Alors pourquoi celle-ci, elle est très intéressante? Parce qu'il y a donc un islamologue assez connu, un orientaliste assez connu, qui s'appelle Ernest Renan, qui avait donc écrit une biographie donc du messager d'Allah, qui était calomnieuse, qui tentait de le faire passer de le caricaturer, de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et donc Étienne Dinet, qui est un converti donc français qui vivait en Algérie, a décidé de lui répondre, mais il lui a répondu en écrivant une biographie du messager d'Allah, qui montre qui il est réellement, quel est son message, quelle est sa vie. Et c'est pour ça que, historiquement parlant, cette biographie a une grande importance. Donc j'ai voulu vous la présenter. Elle est écrite un peu dans le même style que celle d'Abul Hassan Nadwi, c'est-à-dire qu'elle est très simple à lire, très agréable à lire. Elle va directement à l'essentiel. Donc pour commencer, c'est quelque chose de pas mal. Souvent ensuite, on conseille aux gens le Nectar Cacheté. Alors le Nectar Cacheté, il a l'avantage, c'est vrai, d'être très complet, de rentrer dans beaucoup de détails. Néanmoins, il a des passages qui sont un peu longs ou un peu compliqués au départ. Surtout la première partie qui concerne donc l'histoire des Arabes avant l'islam. Alors souvent, le lecteur, quand il se trouve confronté à cette introduction, il est, on peut dire, bloqué et des fois il referme le livre et passe à autre chose. Donc pour celui qui ne serait pas forcément intéressé par cette partie de l'histoire, bien qu'elle nous permette de mieux comprendre la suite et de voir donc l'intérêt et le contexte donc de la prophétie, on peut éventuellement sauter le début pour arriver directement à la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc aller directement à l'essentiel et peut-être par la suite revenir sur ce passage-là qui des fois bute sur certains lecteurs, voilà, ça, qui rebute des fois par certains lecteurs. Donc à prendre en compte. Après, donc une fois qu'on a bien englobé la vie du messager d'Allah avec tous ces livres présentés, il y a un autre livre qui est vraiment excellent à lire. C'est donc La vie du prophète, alayhi salam, qui est édité donc à nos éditions, qui a été donc écrit par Mohammed ibn Abdel Wahhab. L'avantage de cette sirah, c'est que déjà elle reprend donc tous les événements de sa vie, alayhi salam, mais surtout et surtout, il donne les leçons à en tirer. Et il saisit l'occasion, donc à chaque fois qu'il y a la possibilité, de montrer l'importance du tawhid et la gravité du polythéisme. Et en fait, à travers les événements de la sirah, il montre l'importance du message donc, de base de l'islam, à savoir le monothéisme pur. Ce qui fait qu'en plus d'être une sirah, il y a de grandes leçons à tirer. Et je finirai avec le prophète de l'islam, écrit par Mohammed Hamidullah, qui est également excellent, c'est-à-dire une fois qu'on a compris, qu'on a bien étudié la vie du messager d'Allah et qu'on a tiré les leçons donc au sujet donc de ce qui est lié à l'aspect dogmatique, si on peut dire, de la sirah avec celui d'Ibn Abdel Wahhab, on peut passer à celui de Hamidullah, qui a pour avantage de détailler justement les événements de la sirah, mais en profondeur et en tirant des analyses de chacun d'entre eux. Et surtout en regardant comment dans notre contexte on peut s'approprier ces événements et les remettre en application dans notre quotidien en fait. Et là aussi où il a été assez fort, c'est que puisqu'il vivait donc en France et qu'il était au courant des préjugés qui étaient répandus sur l'islam et le messager d'Allah en particulier, eh ben il a saisi l'occasion à travers la vie du prophète pour répondre à chaque fois à ces préjugés d'une manière vraiment, vraiment exceptionnel.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous présenterai juste un dernier parmi les livres de Seurat qui peut aussi être très intéressant. C'est celui donc d'Ibn Ishaq, qui est la Seurat de référence en deux volumes, donc, qui donne vraiment beaucoup de détails et qui est peut-être un peu difficile au départ. Néanmoins, une fois que vous avez déjà lu tous ces livres-là, vous avez toutes les informations sur la vie du messager d'Allah, bah pourquoi pas revenir au livre de référence, au livre de base, qui est celui d'Ibn Ishaq, dans lequel il va détailler vraiment en profondeur la vie du messager d'Allah. Voilà, c'est sur deux volumes, ça n'est pas forcément accessible pour tout le monde, mais c'est bien à connaître. Et je finis avec celui d'Ibn Kathir, qui existe aussi bien en livre de poche qu'en grand format. Qui est très intéressant, mais qui se présente comme une succession de hadiths et de récits classés par chapitre. Donc ça peut être enrichissant pour ajouter des informations aux informations déjà connues, mais pour commencer dans l'étude de la Sirah, c'est vraiment, je pense, trop compliqué. Voilà, en espérant vous avoir éclairci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.